Compatriotes Haïti Media on yo nan attaque bien planifié pour te capable wété la vie 58e président République là qui pote non Jovenel Moïse nan moment assassinat là Dimitri Era li même li té bel et bien présent si m'ta bien comprendre parole monsieur Parison nan yon rapport bien détaillé que li présenté mon chèm pa bon menti rapport ça li tombé nan cuisine Haïti Media on c'est pas des causes c'est pas des petits détails que ou pas de connait nan dossier assassinat ça que m'bral content informé ou. Mais m'ap mande tout en signe d'encouragement pour capable abonner avec channel YouTube Haïti Media on nan. L'on fait ça, ou ap permet channel l'avance pi douvant et ou même ou ap rete en bapye banan information. Bonjour, bonsoir amis mwenyo, comment nous y est? Est-ce que nous en forme? Est-ce que ou ap kembe? Toujours même love là à chaque fois ou fait clic ça pour capable koute voir information en kap bo detay yo sans wete, sans mette. Est-ce que vous êtes nan moment, mercenaires colombiens, mettez ya avec nek ki te nan complot taille comprendre de nek ki te de nationalité haïtienne qui te monté en les pèlerins 5 pour t'alouter la vie président nan façon en pile nan nous connaît déjà nek sa yo tout suite te fin touye président Jovenel Moïse yo te prend un document la caille président yo aller avec lui jusqu'à présent y a cherché document si là yo pas konn s'il monté s'il descend malgré toute arrestation nous est PNH li même ni fait mais dossier ça nous pas connait côté document ça côté le passé sou ta poser une question pour ta dit qui ça qui en dans document si là moi pas en mesure même pour me ta capable bon yon élément de réponse suite avec question ça si toutefois ou te gain envie poser me li zami Haïti Media on yo pas oublier dans dossier assassinat Jovenel Moïse là chaque jour qui passé a gain yon bagaille en plus et nous pas connait qui l'est dossier ça lui même l'a arrivé prend fin nous ka wè yon année deux années qui passé yo still toujours a mari moun nan cadre dossier si là nan moment mercenaire ou tap mouté nan pèlerin 5 gagné monsieur Parison que en pile nan nous connaît qui passé des présentations son nèg qui était occupé paquet poste nan PNH là nan pays d'Haïti alors mes amis Haïti Media on yo monsieur jusqu'à présent selon toute information monsieur Parison c'est une nan proche famille Jovenel Moïse mais faut me dire nos amis moi yo que nan moment nèg ça même en parlant des mercenaires colombiens yo tap prend direction pour yo monter nan zone pèlerin mais te gen Parison selon information selon détail yo qui était dans zone Pétionville là dans les indignant tout et monsieur lui même l'a te remarqué équipe machine ça au prend direction si là monsieur qui connaît à clair gen yon personne qui extrêmement sensible qui rete dans zone pèlerin il était obligé lui même checker 8 soldats al fond virer al garder al tionner zone là pour le ça gen pour qui ça machine ça yo dans les ça yo passer comme ça à la file indienne et mes amis Haïti Media on yo faut comprendre pendant Parison lui-même l'a monté avec soldats bien armés il a monté pour machine ni et puis gagne une autre machine pendant la privée dans zone pèlerin li croisé avec machine par là et bien forme d'où moun qui était dans machine qui croisé Parison et puis li descend li pointé zamni sous monsieur Parison les monsieur Parison bien gardé li wè c'est Dimitri Era ensemble avec quelques nèg qui dans unité IRGPN et puis l'elle descend li dit oui c'est Parison et puis Dimitri lui-même li wè effectivement c'est Parison et puis nego commencer parler, lui fait comprendre en parlant de Parison, lui dit que président Jovenel Moïse téléphoné et Dimitri Era lui-même également, lui répond ni président tout lui relève ni fait comprendre ni en danger, mais Parison lui-même qui pas comprendre à clair qui ça t'a passé dans moment, lui obligé remonter machine ni et puis le piquer pour capable aller dans direction caï président Jovenel Moïse. Et mes amis Haïti Media on yo pendant monsieur a privé dans parage pèlerin 5, lui fait comprendre, lui wagi après près 30 nèg à gros am lou bien armé et avec un mégaphone qui a parlé si une opération di et fait bac et bien monsieur lui-même li pa gen l'autre choix li pa fait tête raide parce que mon cher monsieur pa ka goumé pour Jean le terrain ça bien armé nèg ça bon paquet manche long nan mais il seulement gen 8 nèg et puis là le croisé bap avec nèg yo li pa connait qui ça te gen et bien monsieur Parison li était obligé reculer mes amis Haïti Media on yo selon façon que Parison li pa aller dans rapport si là monsieur fait comprendre pendant la fait bac dans machine qu'il était al te gon chauffeur avec lui et puis li font coup d'œil des dol li remarquer machine Dimitri Era
te la dans la machine qui te pointé sous li a qui te gen Dimitri et ensemble avec l'autre soldat Dimitri yo en parlant des agents IGPN yo même nek sa yo qui te nan dol yo reculé également c'est-à-dire Dimitri et rali même li te suivre machine nan li tourné tout mes amis Haiti media on yo ça qui important pour qu'on ait dans dossier ça pendant que par raison li même li te nan zone Pétionville là li wè machine yo mouté Dimitri et rali même te gen tan soud pèlerin c'est-à-dire machine yo si gen machine a passé machine yo passé en présence Dimitri Era. Zami Haiti media on yo sak important intéressant pour konnen mais c'est pas raison li même nan moment la fait bac pour moun ki konnen pèlerin effectivement et bien monsieur li même li ta supposé fait bac et puis pour le mettre tête li nan direction Pétionville comme s'il a retourné mais monsieur ki sal fait li même avec vigilance li yon nèg pour moi même ki fait yon coup qui extrêmement intelligent li met tête li en haut fait comme si la mouté la boule mes amis Haiti media on yo rive nan moment nan limite la boule là monsieur ki besoin konnen ki son bon en tout prêt li ta renmen konnen ki sa gen la kay président pour ki sa tout nèg sa ora les armes sous li kon sa a fait comprendre c'est yon opération di et pas avancer fait back et mes amis mwen yo monsieur Rivier non moment li fait chauffer a casser tête tout nèg fait demi tout li fait éteindre lumière l'ap descend tout doucement et pendant en l'air li capable garder visionner zone en bas et puis li wè machine yo même ki gen temps a tourner c'est-à-dire merci les colombiens yo yo gen temps fait ça y a fait en dans cala yo gen temps wité la vie président et monsieur lui-même comme un bon soldat yon nèg ke nou konnen ki fè comprendre nan rapport a que président Jovenel Moïse te gen tan rile pou fè comprendre gen tire nan zone nan bagay yo pa kodyòm mais puisque lui-même ni konnen Dimitri Era gen tout pli gen chef USPA gen Jean Laguel civil ke en pile nan nou te konnen comme yon ancien coordonnateur et sécurité présidentielle et ben tout moun sa ou te gen tan fè appel a tout même nèg yo li Léon Challa ke président te gen tan parle avec lui avant même te gen escombri de sa ki mes amis Haiti media on yo faut me comprendre nan moment côté monsieur Parison lui-même li sorti la boule li descend li remonté dans zone pèlerin là effectivement la caille président l'elle rivé dans la cour mon cher ou pas mandé me causer monsieur fait comprendre en dedans rapport si là que li remarqué toute police ou joine toute police en dedans mais police pas gain zam nan men yo toute police était désarmé complètement mais elle te joine madame Martine Moïse même qui t'a bien dans salle atéa te gain petit li qui était là qui kembe et qui kembe yon parti nan col qui donc chaque bon on bras mes amis Haiti media on yo ça important intéressant pour qu'on est là mais c'est pour que j'aime comprendre qui ça qui a passé seulement les remarques que madame Martine Moïse l'a bien ensemble et madame lui même qui part sous qui col alors mais ça m'a fait nous comprendre là puisque me gen yon élément d'information qui fait comprendre madame Martine Moïse même c'est grâce avec vigilance li prend pause li mouri parce que nèg yo même yo te giflé à terre qui cause li pa passé même j'avec Marie ça c'est youn l'autre bagaille tous amis Haiti media on yo n'a rappelé nous que m'té ban yon élément d'information côté m'té fait comprendre nan audition nou t'a auditionné monsieur Dimitri Era li t'a fait comprendre nan moment yo t'a pral assassiner président Jovenel Moïse là li même tout t'est en danger assurément c'est les parisons mouté et puis plus de 30 nègres les âmes sous li puisque Dimitri Era li même li t'est nan dos parison puisque bon parmi dire capable de tirer roche goûter graisse dans n'importe quelle façon est-ce que nous comprendre peut-être c'est dans moment ça mais c'était capable faire comprendre il était en danger mais m'a rappelé nous dans moment que mes seigneurs Moutéo monsieur lui-même était gain temps dans parage pèlerin ça faut noter zami Haiti media on yo l'autre bagaille kounia qui pral permettre Martine Moïse même pendant nèg yo les parison li joni a bien ensemble col intact faut dire moun ki pa gain vie dans li mais kounia avec un langage habituel que monsieur parison li kon parler avec madame Martine Moïse l'elle utiliser même langage là et puis madame li même li pantan li gen tan wè effectivement c'est monsieur Vladimir Parison qui nan moment il dit li fon on comme li essoufflé nan moment pour le mouté kèt li sauvé ben nan moment c'est ça qui fait me poser question pour me te connait tout de suite après ou te fin fizier ou bien carabinet ancien président république là qui est-ce qui était pour madame Martine Moïse pour te aller avec li l'hôpital et bien information an, li clair c'est monsieur Parison li même qui était point disposition li avec madame Martine Moïse nan un cortège qui était bien armé pour être capable mener Martine Moïse l'hôpital mes amis Haiti media on yo ça m'a rappelé nous mais c'est pas raison li t'a mener madame Martine Moïse l'hôpital avec un pile stratégie parce qu'elle était dans qui en droit négoté passé elle pas fait même en droit ça li fait ou découper parce qu'elle pas de connaît qui ça qu'elle t'a pas joindre devant mais faut me dire nous tout puisque me t'ai rappelé nous là que
président depuis environ 11h30 était gain temps parler avec DG Léon Charles, mais Léon Charles était gain temps connait président en danger, mais président lui il pas connait si président était en Kaba. C'est par raison qui relé Léon Charles qui apprend que président Jovenel Moïse li mouri assassiné selon ça Jel Bali. Mes amis Haïti Media on yo, yon nan bagay ki important ki intéressant pour m'apprendre nous là, même Léon Charles ça li était gain temps relé Jean la guerre civile qui en pile nan nous te connaît en tant que ancien et coordonnateur comprendre sécurité présidentielle. Le directeur relé monsieur pour alerter que président li pa kòjòm nan moment président là yon paquet cartouche cap tiré nan voisinage li font façon rivé en tant que yon moun cap coordonné ki nou gen quelques touche ou t'es capable mettre. Mes amis Haïti Media on yo, pendant me parler des gens la guerre civile ça m'a rappelé nous t'es gen yon mandat d'amener qui t'es metté des monsieur. Et ben journée jodi a yo fait me comprendre que monsieur li arrivé jeune arrestation. N'oublie pas que madame Wendell Cocktail tout li gen yon mandat d'amener qui lancé à l'encontre li, il a cherché le couè chien fou n'importe moun qui t'a croisé madame ça. Et bien alerte la police pour capable mettre main nan pas de cassable. Mes amis Haïti Media on yo, ça important pour me dire nous là avant me dans affaire Léon Charles qui décision le te prend l'el temps de que président lui-même li kaba. Ben faut me dire nous te gen pas raison qui te rivé avant tout nègre comprendre après assassinat. Est-ce que nous comprendre? Parce que faut me comprendre nègre et Dimitri Era lui-même dit que te cassé tête tunnel te descend dans moment côté nègre dit et te fait comprendre fait bac pas avancer, mais avec vigilance ou bien stratégie qui par raison te gagné li te met tête la boule après ça le tourner. Ça c'est un rappel que me fait pour nous, mais ça important les par raison te remarqué comprendre que tout moun sa ou victime nan kala loué policier ou pa gen zam nan men yo loué madame la ben ensemble président qui gen tan kon paquet impact bal sou li nèg ou krasé président net. Monsieur li même nous connaît non seulement ses chef et en même temps monsieur c'est yon proche famille présidentielle là, li te gen tan campé sou goumel te gen tan pral attaquer. Vous comprendre? Parce que te fait comprendre nèg ou pas trop loin nèg ou à peine descend et te relé nèg ou ap descend nan li te gen tan alerte Léon Charles et Léon Charles li même qui te relé SWAT vin avec matériel bloqué ou depuis zone yon hôtel comment qui risque qui nam. Est-ce que nous comprenons bien? Et bien c'est là tout, mais c'est nous t'a prendre en mira. Mais dans moment nego les pas raison te vle gou mettez be attaqué qui on est qui dit mon cher ou était corps non soye ya, c'est une opération dit et yon nan nek qui nan même tout li. C'est là tout monsieur lui même il t'a pas senti pas en confiance. Zami Haïti Media on yo, Léon Charles lui même il était prendre toute disposition et c'est pas pour sans raison nous t'ai commencé tendre que opération depuis même jour soir ça nego te gitan mettre sous brezen yo te gen gros opération d'emblée qui te déclenché et c'est là ton bral dit nous ta bral gion dispatching bon côté mercenaires colombiens yo, parce que nèg yo même dit ça déjà yo te gen plan d'aller mais plan pour te tourner yo pas te miser sous yo te kon, yo te penser c'est ton bagage qui te pi on bagage qui te facile comprendre comme de l'eau à boire, parce que yo te dit pour tourner la facile parce que nèg yo te remarqué gen tout est en dedans comprendre entrer a pas trop difficile nèg yo gen temps d'accord pour remettre zam prend minute là. Est-ce que nous comprendre? Mais dispatching ta bral fait parce que gen en pile dans mercenaires Colombien sa yo qui t'a pral prend route ambassade, ça t'a pral prend route rage et par la suite t'a pral ouais côté pep Pétionville ali même t'a kembe nan nèg yo mouté men côté yo. Bon bagay yo vraiment en pile zami Haïti Media on yo, mais ça important pour me faire comprendre là Léon Charles li même l'el t'a essayé attaquer mercenaires parce qu'il me dit nous li te gen tan met barricade li te mandé soit renfort vin avec matériel commencer attaquer à tirer, mais te gen nan Colombien qui te vle riposter comme ça tout te gen quelqu'un qui te dit négatif yo pas tirer ensemble avec la police parce que nèg yo moi tout ça déjà yo pas konnen mission ta pral fè ya si son bagay konsalte. Et selon information ke m gen zanmi Haïti Media on yo, non madame Wendell Cocktail ou kap site am de gen tan ba nou yon paquet élément d'information pour ki sa yo met mandat d'amni sa deyèl. Mais m'ap di selon information c'est madame sa li même soit disant ki ta pral pran tête pays d'Haïti nan zafè transition. Si toutefois nèg yo te arrêté président Jovenel puisque nous connaissons premier plan salté auparavant parce que te gen yon mandat d'amener que nous connaissons un juge d'instruction te mette à l'encontre président Jovenel Moïse, mais par la suite tu devine changer plan en touye. Même après rappeler nous c'est un homme ça jusqu'à présent qui dans la rue qui pote non badio, c'est lui même qui te monté plan ça pour te capable exécuter président. Zami Haïti Media on yo, bagay la vraiment drôle, bagay la vraiment en pile. Et me dit nous ça opération ça lui même il était démarré bon côté nèg et en parlant nèg Léon Chalio, le Léon Chalio te apprendre nouvelle là, mais malheureusement nèg te prend trop tard parce que si président te gen fait tout appel ça, il font appel de secours et à la dernière minute il te relé yon moun pour te capable porter le secours pour dire mon cher moi en danger porter me secours façon capable et nous connaissons un gros tête un gros chabrak dans police là
qu'on pas cité là ou qu'on est très bien mais personne pas qui est arrivé c'est seulement par raison lui-même qui était dans parage Petionville là qui était arrivé prend madame là aller l'hôpital avec lui mes amis Haïti Media on yo ça important après toute parole ça qui me dit nous là nous connaît PNH lui-même li gen yon moun comme capable dit son qui vraiment important dans cadre enquête cap menen qui yo déjà maré qui pote non Christian Emmanuel Sanon c'est une bon pièce yo qui est capable de paquet éléments d'information dit nous sauvle ou pas gagon nek comme ça dans monde pour pas ka connait leader politique qui était dans échange avec monsieur dans plan si là pour être capable exécuter président parce qu'il connaît pas bon ici depuis dit pouvoir nèg même yo gen prêt à faire toute bagaille il ne pas ka connait tout les nous connaît Christian Emmanuel Sanon li nommé la police jusqu'à présent pour nous faire comprendre n'a cherché moun qui était financé exact maspina et cabinet ça pour nous capable joindre yo zami Haiti Media on yo ça important intéressant pour me faire connait là m'a rappeler nous te gen yon compagnie qui était là pour être capable financer nèg yo le Christian Emmanuel Sanon n'a prêté l'argent jusqu'à présent pas connait à quel motif mais assurément c'est pour être capable comprendre couvrir quelques frais dans affaire assassinat exact cabinet maspina qui ont été fait sous ancien président république là et bien directeur compagnie ça qui pote non city yoa yo fait me comprendre monsieur gain bon rapport et toi avec président colombien ça son bagaille que nous supposé noter à clair pendant qu'on est gon paquet média colombien qui a fait enquête pa yo cap garder à clair comment capable avancer avec dossier ça pendant ce temps pa boys là presque dit enquêteur colombien yo veut dépasser nous même pa boys que bagaille ça supposé plus intéressé zami Haiti Media on yo l'autre bagaille qui me pral di nous là jet privé en tout cas jet privé ça tout les mêmes qui te prend en charge pour te gérer déplacement nèg yo et bien selon information qui me gen là nous connaît à clair nèg yo les Christian Emmanuel Sanon te gen jet privé en disposition pour te capable voyer prend quelques personnages mais quelques nèg qui dans affaire politique même pas citer non là et gen nèg qui connaît surtout dans département sud-est là en parlant des magistrats Jacques Mel là lui-même nous connaît comment il te déplacé dans rencontre qu'il te gagné avec Christian Emmanuel Sanon te gon jet privé qui vient prendre et même jet privé ça te mené le tourner zami Haiti Media on yo fait me comprendre jet privé ça lycée pour yon ancien candidat nan pays Saint-Domingue c'est lui même qui t'a pral qui t'a posé candidat à la présidence yo fait me comprendre li rele Gonzalo Castillo zami Haiti Media on yo ça important pour qu'on ait dans dossier ça m'a rappeler nous gen quelques nan mercenaires colombiens yo avant yo te rentrer sous boute Jean-Jacques Dessalines nan pays d'Haïti nek sa te gen a bolosé en terre voisine et nous wè photo yo nous wè quelques images li important intéressant kounya pour me faut qu'on est avec Mwenga Haïti gen deux produits là pour offrir nous qui pote non gen outil gen bande deux produits ça vraiment efficace youn gen outil alors li c'est pour allonger tolpi nous gen bande nan c'est pour capable bon endurance rele nan numéro qui passe en bas écran pour placer commande et pas oublier tout avec application qui pote non zap di là c'est une application qui fait spécialement pour même qui dans affaire business ou même tout qui t'a remet vendre yon produit pas gen problème faire photo wa poster après ça ou bam réponse pas oublier information yo en pile m'pral permettre m'pral invito pour prêter avec attention pour capable coûter façon nèg yo rele JPPA Gary Pierre Paul Charles même li t'a bay plus détail dans quatre détails dans quatre information ça que m'ta partager avec nous c'est pas deux jours ou pas jouer sur réseau c'est pas deux bagaille ou pas dim mais finalement moi marqué même nèg qui était sur JJJO m'a cité non c'était non qui pas les quoi t'a jouer les fanatiques de la valasse attention hein même dit les fanatiques de la valasse fanatiques aveugles pas les bons la valassiens OK pas les bons la valassiens comme Walter Ewan et cetera pour moi t'a dit pas les bons la valassiens nèg ça yo et t'a jouer parce que me t'ai une bonne nouvelle yo pas d'accord et finalement d'accord et le président et aller prend soin et puis président tourner et puis me content me féliciter président moi même et puis voilà donc comment t'a avlé nos pays Jovenel Moïse il y a pas taquel il y a tiré quand Jovenel Moïse comme si pour moi même moi pas d'accord donc le blanc qui analyse les téléphones des acteurs blanc ouais que gagne plus monde qui parle avec même premier ministre Claude Joseph directeur général de la police responsable coordination palais national responsable USGPN gros l'autre nèg solide que m'a parlé de Lila que m'a parlé avec c'est ça blanc ouais que m'a parlé avec monde tout qui lié avec américain qui parlait
Blanc ouais m'a parlé avec leader politique. Blanc ouais m'a parlé avec même secteur privé. Blanc ouais m'a parlé avec nègre opposition. Puisque a priori que mon téléphone est probablement sur écoute. Et puis blanc ouais tout numéro ça. Blanc peut-être qu'a dit ce temps mais transversal. Il faudrait bien que me suive, monsieur. Donc, c'est un bagage extraordinaire. Quand un haïtien comme Gary Pierre Ponchal évolue dans un pays comme Haïti, quand il détient des informations importantes et que M. pas falsifié information, M. pas désinformé moun, Blanc a pas apprécié ça et Blanc a reconnaître que Nexa c'était quelqu'un à protéger. Donc voilà comment donc, l'étranger capable de jeter un regard par rapport à Gary Pierre Ponchal. Donc, qui t'aime dit nous? Même si c'est moi qui t'es con en vain, il a tué Jovenel. Il a assassiné, il ne m'a pas dit, il ne m'a pas fait tweet. Il tout dit nous ça. Parce que je me dis qu'on est le fait premier tweet là, c'est un fait qui est réel. Ça me prend dans mes noms. Et qu'on y a, et après, je ne vais pas parler à moi, et puis le monde qui est même. Ça me prend dans mes noms. Deuxièmement, l'autre jour, le président mourit. Et pas le monde qui dit ça, il y a de la même boue. Comme nous, pas journalistes. Nous ne comprenons pas ce que je dis. Si je ne pas document qui dit Aristide de Covid, je ne vais pas. Donc, si je ne pas cadavre, je dis monsieur mouri. Je ne parle pas à l'autorité, je dis monsieur mouri. En pour qui ça a besoin de dire que monsieur mouri, je besoin de dire ça va intéresser. Autre aspect de la question. Silence, moi, son silence parce que je frappe dans le nom. Son ami qui mouri. Ah, nous ne pas comme ça. Bon, nous connaissons les amis. Je ne vais pas parler de l'autre nègre de bagage comme ça. Parce que je ne suis pas ami président. Attention. Hein? Moi, pas ami Jovenel Moïse président. Moi, ses amis Jovenel Moïse tout court. Plus de 30 ans d'amitié. Ah, bah, je ne vois pas, sérieux. Et puis, je dis, monsieur Moïse, il truc moi à faire m'annoncer. Ça pas le fait pour moi. Que m'annoncer Jovenel Moïse. Non, l'autre nègre m'a annoncé. Mais tout le monde a plein de scoop. Bon, Jovenel. Oui, je me connais 30 ans d'amitié à dire. Mon monsieur depuis la bouffeuille. Et ça pour mon air. Je connais depuis ta bouboule. Le ça, bouboule que je connais. Et gros bouboule, T-Vice qui vient avec Jovenel là. Et mon tabac bouboule le son comme professeur. Et puis Jovenel absolument en province, il vient avec bouboule. Ça fait un. Deuxièmement, Renal Chalat, chauffeur Jovenel, c'est petite. Manon, Chalat. Maman Renal, c'est ma combe maman. Donc Renal, c'est que koufiel maman. Renal, c'est frère de baptême. A De Gaulle. Donc Renal qui chauffeur, n'est qui te candidat, oui. Le vice-président, ou bien le chauffeur. Renal, y aurait le vice-président. Ok? Renal, y aurait le vice-président. Merci, Gabon. Renal lui-même, le. Oh, oh non, non. Oh, j'ai ça, vite. Renal lui-même, c'est que pour un frère de baptême Renalier. Donc, je ne pas contre Jovenel comme président, mais contre Jovenel comme Moun. Et c'est Moun qui vient président, malgré Moun sa président, et pour un type de comportement ça, je ne vais montrer mon chef, je ne vais pas montrer mon pouvoir, je toujours connais son président, je suis maintenant un journaliste. Gene qui t'a pour, qui t'a gagné ça, qui a fait Excel. Gene qui t'a gagné ça, qui t'a demandé des postes ministériels, qui t'a pris des faveurs dans le pouvoir. Et ça fait Jovenel, tu respecté moi-même. Comme Zami Gary Pierre Ponchal, pas comme président, parce que je n'ai aucun rapport avec le président Jovenel. Donc, le va prendre Jovenel mourir, je réfléchis. Puisque moi, Awana, ensemble, on a pris une nouvelle. Mais quand Zami Krelem, bien bonheur, et puis Zami a dit ça, il dit monsieur, ah, ok, je vais regarder pour moi. Mais ça veut dire, mon courant de l'information, mais avant, même pas, je vais réagir sur l'information. Ça sont notre aspect, on n'a pas avancé toujours. Mais on va pas dire tu es un président. Si on pas qu'être négatif avec lui, tu es un président, et puis vous me prenez devant. Moi, je ne sais pas si on paye pour me prendre devant. Ou même les États-Unis, ou même c'est sous réseau. Et, ou pas qu'il y ait une référence. Pendant l'autre bois, on va fonctionner, ou qu'on dit n'importe qui bagaille. Mais pendant l'événement arrivé, c'est en Haïti, mien. Mon domicile connu, mon business connu, mon employé avec moi, je vais mettre trois choses dans le pays. Puisque on parle de coup d'État, d'assassinat de coup d'État, moi pas avancé, je ne dis rien. Moi parle à deux trois nègres, mais une anecdote. On ne va pas citer nous ça.
mal à un monde qui n'a pouvoir, qui bien qui ouvert la pile, qui n'a gouvernement. Je vais citer non, ouais. Les ma palac, monsieur. Walter, Val Campan, Kalvinsky, qui là, Juan, témoin privilégié. Et si l'attendez à comprendre, moi, il est, monsieur, dans le téléphone, pour me parler avec elle. La KMA a un UPS. Pas de courant, inverteur a déchargé. Et Walter, UPS là a prélé. Son nous content de UPS a prélé. Monsieur comprend son appel conférence que me fait. Monsieur dit, il est bon sale. Ou pas prélé comme ça. Dis moi qui souligne que pas accepter le bonjour de là comme ça. Et que ne pas valider rien dans le pays ça. Parce qu'on va assassiner Jovenel. Je me dis, mais pourquoi il ne parle pas comme ça? Je me dis, oui, mais tout, tout, tout. Je me dis, non, c'est un UPS qui a fait ça. Je me dis, monsieur, qui t'aime faire pour moi, c'est pour montrer comment nerf, tu es à fleur de peau. Moi-même, les maps gardent bien, je me dis, ah, pour moi, je parle, Gabriel Fortuné, etc. Je me dis, ah, je ne peux pas parler dans la question ça. C'est moi qui décide de pas parler. Parce que je ne peux pas parler ou menti sur l'assassinat et que je ne peux pas gagner comme preuve non même que pour l'autre journaliste qui a dit. C'est oligarque. C'est nèg politique. C'est blanc. C'est drogue. Tout nèg lagué. Mais maintenant, je ne pensais pas que les gens te croient dans moi et que Captain pour me bailler la vérité sur ça. De toute façon, je dis à m'bral ba nous ou mosso vérité. Et ça fait venir avec acte 1 dossier assassinat Jovenel Moïse. Donc, nous allons avancer ensemble. On garde Kounia pour nous. Tiens, je vais mettre mes petites lunettes dans les mains. Parce que les lunettes sont cassées. On ne peut pas être dans les mains. On va parler avec nous. Après ça, après mission, on va fermer parce que les gens parlent de même. Quoi. Ok? Les gens parlent de même, on va parler d'aujourd'hui. Et Walter, bon, moi, qui est-ce qu'il a pour saluer? Est-ce que Michel là? Ou est-ce que Ferrari là? Michel là, Michel, comment vas-tu, Michel? Quel plaisir! Ok? Et qui est-ce là? Sonne, backward. On en forme, monsieur, on en forme, ok, je suis content. Parce que je vais regarder nous là, je vais parler avec nous. Ok, et Tisson, Nisuka, ou bon, ok, merci, je suis bon, ou pas content. Je suis pas content. Même les gens qui parlent, je suis content, puisque Juan est à l'écoute et beaucoup de gens à l'étranger sont à l'écoute, ok, parce que vous connaissez que je vais parler avec vous. Bon, ok, oh, et bien, il est avancé là. On avance. Bon! Le président de la République, Jovenel Moïse, dans la date 7 juillet 2021, il prend le téléphone et il relaie Civil Laguel, coordonnateur général du Palais National. Je voulais seulement pour me connaître. Hein? Soit dit. Hein? Pas de problème. Ça voulait nous suivre, nous-mêmes. Tout ça qui m'entendait, tout ça qui m'entendait, qui peut devoir parler même quand même. Parce que les gens pauvres qui vivent sous pouvoir, et puis pour j'aimerais fonctionner après même quand même. Parce que je suis un homme, grandi. Regardez, faut qu'on ait, moi, pas un journaliste qui a présenté une nouvelle. Si c'était une nouvelle, on a déjà présenté une nouvelle. Je suis un analyste politique, un chercheur, un enquêteur. Ou pas le ça, dans sa m'gale, je veux dire. Moi, seulement pour tout le monde qui est là, Michel, pour un plus en papier. Ok, tout le monde qui est là, pour un plus en papier, suivez-le à ça m'a expliqué pour nous. Parce que ça nous parle de Dieu, ça m'a dit. Et comment la musique l'a dit encore? Il y a besoin de nous dire, il y a besoin. Ok. Président de Civil Laguel, coordonnateur général du Palais National, à 1h34 du matin. Marquez ça. 1h34 du matin. Parce que le président, tendait bruit des armes automatiques inhabituelles. Bon, Kali. Des cascades de tirs nourris en direction de résidence privée. Et à l'intérieur de la résidence du président lui-même, et président madame Nitsimon qui était là, gardien, etc. C'était la panique totale. L'hostilité ou l'attaque armée, prise d'assaut de espace véritable président, les commençait à 1h35. Je dis nous suivre là parce que je ne vais pas tourner sur eux. 1h37.
président pays a Jovenel Moïse Zami Bouboule Frère Renal Cholat n'a pas la voix. Je suis presque sûr, c'est Renal qui baptise le mariage li. Ou bien qui parle de notre union. Président dit civil. Nous avons des armes tirées tout près là. Il faut envoyer tout de suite et en urgence des renforts. Ouais ça yo. Pas de désinformation, pas de fake là-dedans. C'est pour ça que je dis acte 1. Mais apparemment, le président n'avait pas évalué sur le champ importance attaque là, dimension attaque à faire, et que c'était une attaque surprise parce que le président n'a pas fait comprendre ce qui a passé. Et Jovenel pas croit que l'était visé. Mais en arrière, il était tiré. Et à ce moment, précis, Civil Lagel, ex-coordonnateur des unités du Palais National, qui coiffait, qui dirigeait et qui coordonnait les unités spécialisées, comme premier chef de USGPN, comme premier chef CAPTIM, comme premier chef USP, lui appelait M. Pré-Téléphony et lui est commandant de chaque unité SAE. À 1h35, avait dit une minute après que le président finit l'aile, Civil a appelé le commandant connu et très médiatique de l'USGPN, Dimitri Erard. Civil doit dire à Dimitri de monter tout de suite avec les unités d'élite de l'USGPN à Pèlerin 5 parce que le président de la République, Jovenel Moïse, pas serein non, est en danger. Et Dimitri a répondu à son supérieur hiérarchique, commandant, moi pour aller. Sur moi bien, ça m'a dit non. Commandant, moi pour aller. Les civils finent parler avec monsieur Dimitri Erard. Civil relaient tout de suite Hubert Gentil, chef d'équipe responsable des troupes à la résidence privée de Jovenel Moïse. Monsieur Gentil, pas jamais répondre au téléphone. Nous devons dire pour nous noter. Monsieur Gentil, pas jamais répondre au téléphone. Civil insistait une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a pas joint. Il demande à Le Gaulle d'identifier la radio. Il n'y a pas joint. Et c'est alors que Civil a décidé d'appeler l'assistant du chef d'équipe qui se trouve au Palais National. Qui nomme ça Civil Relé? Monsieur Relé, Becker Stephen. Et Civil a tenté pour coordonner ça qui a passé, ça ne peut pas le faire. Et Civil dit Stephen, Relé Bajomo tout de suite et voyez policier en urgence en backup parce que y a un problème avec le président républicain Jovenel Moïse. Entre temps, Civil relève Dimitri à 1h46. Moi, ça, pas un fake. Voilà. Vous donnez ça, m'a dit. Nous-mêmes, nous avons déduit. Il relève à 1h46. Pour vérifier si vraiment Dimitri est en route pour l'alcaïe président. L'Ivonne, et puis le dit chef, là, maintenant. Et Civil, tentez. Encore une fois, pour le joindre dans le téléphone, commandant CAPTIM, non. Paul Eddy, Amazon. Suis-moi bien, hein? À 1h47. Finalement, Eddy Amazon, et répond à Civil. Commandant mon courant, et nous en route, nous parler avec le président. Après, coup de fil ça, monsieur Relé, tout le monde, t'avais dit 4 USP. USGPN, qu'on y a civil comme coordonnateur, a pu se mobiliser troupes, civil relé le directeur général de la police nationale, M. Léon Charles, à 1h50. Vous écoutez 107.7 stéréo, émission spéciale sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le film
de l'événement. En exclusivité sur Radio Télescope, grâce à l'appui technique de Walter Ministre, grâce à l'accompagnement sans faille de Val et de Copane, et également l'appui de notre ami Claire Vinci. Et le petit Mablois est là. Et à la radio, il y a Charles de Gaulle. Et à la salle des nouvelles, il y a Darius, il y a Mano, il y a beaucoup de monde qui suivent et qui écoutent l'émission. Donc, c'est tout le monde qui a participé dans l'émission spéciale, ça, parce que pas les deux émissions qui parlent fait comme ça encore avec les informations. Ce sont les dossiers classés. Donc, je reprends donc. Civil a appelé le directeur général de la police nationale, Léon Salle, à 1h50. Civil est resté au téléphone pour l'assurer que l'autre libaille commandant yo a pu exécuter et que tout le monde a privé sur place. A noter que Civil ne commande pas de troupes exactement. Ok? Bien qu'il soit coordonnateur, c'est le néglige Léo qui gagne. Contrôle troupe yo. T'as pas comprendre ça, ma petite noix. Comme si Gary Pierre Charles est président directeur général de Radio Télescope, mais celui qui est responsable de l'information à la radio, c'est Manuel Yves. Donc, une fois ce travail technique terminé par le commandant, ou bien l'ex-commandant, puisqu'il a été remplacé, n'a vu nos actes sur ça. Le commandant civil, monsieur prend la machine et monsieur a avancé Kounia. Kounia, un détail important. Le civil t'a fait ça, relé tout le monde. Nonobstant le danger imminent. Civil était chez lui. C'est la Kalushita, la fin coordination. Et où est-ce qu'il habitait? Thomas 37. Vous écoutez 107.7 FM, sérieux. Thomas 77. Donc, le fil fait toute coordination, l'assurer que tout est dans la route. Civil quittait Kaili à 1h entre 50, 51 et 52. Ma gloire. Ma gloire. Non, ma gloire. Pas de problème. Ma gloire. Entre 1h50, 51 et 52. Civil quittait la Kaili Thomas 37. Monsieur passait. Sous route là, lui récupérer mon agent USGPN qui détaché avec pour assurer sécurité. Monsieur récupéré Nexa à la boule 15, précisément. Et aux environs de 2h15, 2h18 du matin, le commandant civil était déjà à l'entrée de Palais 5. Si vous êtes maintenant à l'Palais 5 là, je m'arrête ici pour civil. Parce qu'il y a d'autres explications croisées qui vont me permettre de remonter les infos à partir de cet espace, de cet endroit, pèlerin 5, tête pèlerin 5 là. Avec du bon coup descend en bas, la tête pèlerin 5 là. Donc, n'oubliez surtout pas que civil est dans sa voiture avec un agent de sécurité, notre tête pèlerin 5 là, mais pas viré rentrer. Nous là, ça c'est civil. C'était la propos de civil. Walter, tu me permets de boire un peu d'eau. Hein? Excusez-moi. Donc, explication civile. Maintenant, les explications de Dimitri Hera. Dis-nous, l'acteur. Salutations à Patrick Moussignac et Gary Boudot. Ouais, de M. Sao. En constant, de manière permanente, nous parler, tout va dire. Ok. Dimitri Hera. Dis-nous, prends un chiffre à clé. Si nous ne prenons pas un chiffre là, nous ne pas comprendre l'explication. Dimitri Hera. Le président Jovenel naïf, exalté, on n'est pas de croire que le président. On n'est pas habitué à l'examen. Parce que bouche, monsieur. Eh bien, dans ce qu'on fait seulement. Si monsieur est habitué à l'examen, quand même, monsieur a fait résistance à l'intérieur. On n'est pas même un couteau. Il a toute confiance. Li. Non, mais Dimitri. C'est chef de GPN. Non. Il a toute confiance maintenant, mais Dimitri. Et Jovenel. Relé Dimitri à 1h45.
Je dis nous qu'il y a Je voudrais donc attirer votre attention sur l'heure appel. Lui, Dimitri, à 1h45. Et l'appel a duré 4 minutes. Regardez, il n'a pas parlé avec nous. Nous avons dit peut-être même qu'on est. L'appel a duré 4 minutes. Et je viens de Dimitri. Dimitri, ma difficulté vient de sauver. Je reprends. Le président Jovenel a dit à Dimitri, je suis en difficulté. Viens sauver. Et au moment de la conversation entre Dimitri et le président de la République, et pas au moment, le même instant, Monsieur Erard, comme commandant, spécialiste en sécurité et en armement, ayant étudié à l'étranger, ayant la grande capacité de manier les armes de tout calibre, Dimitri a entendu au téléphone, ça veut dire dans le téléphone que l'a parlé à président, des détonations énormes, étranges. Et Dimitri de dire au président, j'arrive. C'est pas j'arrive comme la chanson de Jacques Brel, j'arrive. Mais c'est j'arrive pour venir sauver un chef d'État en difficulté qui fait confiance à ONEC. Information de première main. Dimitri Erard, pas tape dormi le président de l'île. Il finissait un devoir en ligne. Il était tout habillé. Seul botte qui n'a pas bien habillé. Le président est là. Donc, je ne connais pas s'il était en fin de remettre devoir, mais il met botte dans la pile après avoir reçu cet appel de détresse du chef de l'État. Donc, Dimitri, prends téléphone. Et le relais, la section opération du Palais National. Et il répond Dimitri. Nous sommes au courant. Les troupes sont en route. Suffisamment Dimitri. Dimitri, côté de l'ETA, livré rapidement en pèlerin 3. J'ai dit. Pèlerin 3. Je n'ai pas dit pèlerin 5. J'ai dit pèlerin 3. Il s'est arrêté un petit moment. Et monsieur Ron Prado, de couleur or, cap monté. Le Prado, ça. Thierry Ronneg. C'est un commandant. Un guerrier. Un foudre. Non, non. Un élément qui représente une foudre de guerre. L'élément moteur des guerres contre la gang. À part au presse. Un homme opérationnel. Qui se bat sans relâche. Au quotidien. Et qui est arrivé. N'est-ce pas, les bas amis. Sa seule nègre, moi, pas j'aime parler de la police là. Mais il était un chef. Les Baba Lavelle, ce n'est pas un problème que nous avons. Et M. Rivet, non, pas droit. Et là, M. Rivet, puisque Dimitri était déjà sur place, perle et toi, il a pointé les âmes sur monsieur. Et M. ouvre la machine. Bah. Armé. D'après le dossier que j'ai eu. De souci de froid. Parce que je ne sais pas où il est. Il est hautement classé que je parle avec nous. Ok? Je ne parle pas avec nous, c'est hautement classé que je parle avec nous. Donc, je fais une accès avec vous.
Moi, je ne peux pas accès avec vous facilement comme ça. Je ne peux pas accès avec vous. Parce que, vous mettez. Vous mettez. Regardez, vous mettez les lèvres. Vous mettez les lèvres. Vous mettez les lèvres. Vous jouez. Ah, ok. Ok. Donc, ok. Next, ça. Sur tout le réseau, vous ne pouvez jamais parler de lui. Et c'est monsieur descend. Si monsieur n'était pas la veine, je ne peux pas dire non. Comme il n'est pas la veine, c'est information bien baguette pour me cacher. Nous ou règles qui fait un bagage pour la République. Nous allons comprendre tout à l'heure pour ça. Moi, monsieur, le Vladimir par raison. Vous devez, monsieur? Yes. Monsieur, le Vladimir par raison. Que je n'ai jamais rencontré, même une fois de ma vie. Vladimir par raison. Léo Bam nous m'a regardé. Mouel, me dit, oh, allez. Et Vladimir échangé avec Dimitri. Et là, parce que tu es pointé sous lui, monsieur descend, et monsieur dit, il y a trois pick-up, pendant le descendant, et puis il y a trois pick-up par le national qui arrivent. À bord de pick-up, il y a 18 agents de l'unité de élite par le national. 6 policiers dans chaque pick-up. Pas bien, monsieur, pèle les trois. Pas bien, monsieur, ouvert portail, monsieur dit, monsieur, dis-tu moi, que je ne vais pas répéter, pour ouvrir portail, pas demander qui est pointé sous lui là. Comme quoi, nous voyons qui est ça. Je m'arrête ici. Avant de continuer le film des événements, pour l'acte 1, même j'ai été crampé pour civil là. Ça veut dire crampé là tout, parce que monsieur le père de droit. Parce que suite à cela, il va le faire dans le recette. Mais le droit est toujours. Pas oublier civil déjà en haut, dans le recette, mais si le correspond, si le est arrivé, pendant ce temps, m'a expliqué ça. Et ça fait m'obliger à couper l'explication. Ça veut dire dans le 3. Et puis, qui était là, pas oublié, Dimitri était dans le toit et machine, dans machine personnelle, et puis unité, on commence à venir. Et puis, par raison, rivé. Civil, Dimitri, maintenant, l'histoire de par raison. Il faut suivre là, il dit, n'importe si on a compris, dans la map dire, c'est pas un bail qui est compliqué, ni parler gros français, c'est une explication, et le pays se doit. Comme si je dois connaître, ça m'a dit pour comprendre. Bon, maintenant Vladimir par raison. Dans le dossier de Vladimir par raison. Parce que ça m'a dit, nous, le dossier civil, le dossier de Vladimir, qu'il y a Dimitri, le dossier de Vladimir par raison. Le commandant par raison, Walter, monsieur passait toute journée 6 juillet là, il travaille dans plusieurs opérations à Martissa. Pour te faciliter le passage, camion citerne, etc. Parce qu'il y a un paquet de monde qui cachait. Matissa, chaque temps camion a venu, il a tiré. Et c'est monsieur Gon qui a quoi dans le trou qui a protégé camion pour camion qui a passé. Parce que civil armé, il a posté sur route là et il a bloqué zone là, une zone dangereuse. Tout le monde connaît comment Matissa est. Et c'est unité ça qui a permis de gaz et tout le bagage qui a passé. Et par raison, à la tête d'un troupe spécialisé, qui sont task force, créée par le directeur général de la police nationale, Léon Charles. C'est Léon Charles. Moi, vous m'entendez tout le monde sur Léon Charles, il n'y a pas de problème. Comme c'est critique, bah, c'est. Léon Charles crée une task force, et c'est task force ça qu'il crée, qui a bataille, qui a bail résultat avec notre tête sur Vladimir Paris. Et avec ça, ils ont mené bataille tambour battant contre bandits chaque jour. Et par raison, quitter zone Matissan à 3h de l'après-midi. Pendant que monsieur a quitté zone Matissan, à peine que l'a avancé dans la ville, directeur général Léon Charles dit pour aller en urgence à Torcel. Pas bien, c'est le cas de Vladimir, m'a expliqué. À Torcel, pour l'autre opération. Nous sommes à l'opération ça, il a été assassiné un instructeur de police qui est dans l'académie. Hein. Selon l'information gain, quoi inspecteur, il a gardé nos résidences privées dans la zone tabac. Et non, monde qui prend quoi inspecteur, monsieur, c'est un certain Vite l'homme, recherché par la police, et monsieur Sounek
qui a une spécialisation dans tuer policiers d'après dossier que vous avez pour monsieur. Et pour avis de recherche derrière monsieur. Kounia, par raison sorti dans une bataille Matissan, par raison pour aller l'autre bataille dans la zone et tabac, torsel, etc. Et par raison, arriver dans la bataille ça, pour aller gourmer sur le terrain à 5h de l'après-midi. Et par raison, solliciter les militaires, pour les militaires venir, pour être capable de lancer un assaut, pour les militaires aider à écraser l'espace qui gagne. Et monsieur, a tiré à bandit dans la zone. De 5h de l'après-midi jusqu'à 11h du soir, il y a des échanges de tirs entre policiers et individus lourdement armés qui ont protégé M. Vitelhomme. Kaïm, Vitelhomme, non, n'est pas casé. Mais malheureusement, Vitelhomme réussit à sauver. Selon l'information, la police dit que c'est des policiers qui ont aidé M. Sauvé. Parce que M. c'est un gros. Comment on dit ça encore? Un gros poids, oui, comme moi, monsieur, son gros poids, monsieur, son un poids lourd, monsieur, aide les policiers bien. Et dans la question de thème, quand pile thème, monsieur, bas policier, comme les policiers, t'es dans la zone. Donc, vite l'homme sauvé. Et Vladimir, fini travail, bouquet. Vladimir, fin opération à minuit et plus. Et à 1h du matin, si vous voulez bien, 1h du matin, moi, je voulais nous tendre le haut pour nous faire comparaison. À 1h du matin, Léon Charles, qui fait confiance. Chaque mot me dit l'importance. Fait confiance à son bras droit en termes d'opération à Vladimir. L'irrelé Vladimir, par raison, pour le deal, mon cher, il a tiré tout près le président. Et puis Vladimir dit, ok, pas un problème. Tiré pour le président. Mais Vladimir saute dans l'opération. Tiré pour le président. Pas qu'on attire attention. Puisque il y a tout nèg déjà qui déjà monté, ça va attirer attention. Vlad a roulé à le ça, il va rentrer dans base. Pendant la rentrée dans base, direction générale Clessine. Les gars téléphoné, ils ont un coup de fil du président. Ils ont fait garder nous une bataille, qu'est-ce que le président dit, par raison, ma difficulté. Malgré les mounes, ils ont encore arrivé à finir son femme. Ça fait m'expliquer nous ça. C'est ça qui fait m'expliquer nous pour nous comprendre. Vin son femme. Et par raison, abattu. Bouquet, fatigué. Machine qui est maintenant. C'est pas machine qui est fin en forme. Il est chauffeur. Il dit chauffeur, croisé à Pétionville. T'as pour monsieur rentrer dans la base et monsieur piquet. Il monte Pétionville, puisque chauffeur, par raison, t'es dans l'opération en tout, t'as pas laissé dormir, c'est chauffeur par raison que t'as baillé police et t'as bataillé manger. Donc machine n'a rien mené. On a dit croiser le Pétionville. Et les paraisons arrivaient, Pétionville précisément, devant le commissariat, l'ouest sous place, DCPA. Le directeur central de la police administrative. DCPA. Et en même temps, monsieur Ouais, plusieurs pick-up passés. Suivez-moi bien, oui. Et cette femme explique nous tout à l'heure. Les pick-up qui arrivent à Paris sont arrivés, ça veut dire que Paris est en bas, les pick-up qui arrivent. Donc Paris est arrivé, quand Dimitri est là, à tout pick-up, parce qu'elle suivit. Ben, on a avancé. Paris a quitté le commissariat Pétionville, puisqu'il était devant le commissariat, et il suivit le pick-up. Il y avait environ 4 machines, mais c'était 3 pick-up. Après Pomplan, nous comptons pas le 1. Après, nous comptons DNL. Après Pomplan. Par exemple, Dimitri sur route là, ça veut dire que je croise l'information pour nous. Lui, Dimitri sur route là, qu'on y a deux paraisons, qu'on y a me sorti, m'expliquer croisement par le rien. Ok? Vous avez bien compris. Et comme Dimitri, ouais, machine là, et il te pointe les armes sur lui, il me dit encore pour nous. Et par exemple, descend, et il dit c'est moi, et il dit ça le désir. Et puis, Dimitri dit par exemple. Par exemple, Dimitri, président, et puis Dimitri lui répond, président, il est tout, il est dit la difficulté. Et puis par exemple, dit oui, il est tout. Et par exemple, faut-il réfléchir? Suivez-moi bien qu'on y a l'histoire, qu'on l'autre allure, ou l'autre dimension, ou l'autre temps de réflexion. Par exemple, qui t'a parlé avec Dimitri, monsieur prend Zamni, monsieur prend, monte machine, fait n'importe là, et monsieur, monsieur pique et monte. Premier monde qui monte là, c'est par raison. Attention! Par raison, monte. Arrivé à Pelle 25, qu'on y a histoire changée. Et lui, il vient dans Pelle 25. Il y a 8 nègres
qui descend à Paris, entre 25 et 35 mètres de guérite à président. L'entrée principale. De résidence, président Jovenel. Si M. Bat mourir, M. Tap content, Jovenel, que moi-même ma belle ça. Si M. Bat mourir. Et, par raison à vue, dans le droit, regardez, 20 et 30 fusils d'assaut. Une évaluation rapide. 20 et 30 fusils d'assaut pour être sous lui, sous ma crinière. Et par raison campée. Et monsieur réfléchit pendant une minute. Monsieur va gagner. 20 à 39 environ, monsieur va gagner. Et à ça, il dit, à machine par raison, qui était là, parce que par raison, c'est comme chauffeur, avec. Il dit, get back! Opération d'hier. Get back! Et puis, vous pointez. T'es un nec qui t'es une valise dans le dos. Là, monsieur, on allait. Monsieur, monsieur. Et par exemple, il y a une valise dans le docteur opération. Et par raison, fait back. Doucement. Monsieur a fait back doucement. Pas oublier, c'est presque un petit tout petit. Monsieur a fait back doucement. Jusqu'à ce que la machine commence à arriver, sortir dans le pèlerin sec. Pas oublier, nous, ça m'a dit non. Back, oui, monsieur a fait. Et pendant que monsieur a fait back là, par raison, virer la DM. Et puis, nous, ouais, pick-up unité spécialisée. Yo, Dimitri Ra d'elle. Est-ce que vous comprenez? Monsieur était devant lui-même. Et puis, monsieur a fait back et puis, ouais, pick-up là. D'elle. Et les combien fait back? N'a pas le 1-5 là, ils ont arriver sur route principale là. Route qui monte comme ça. Tout le monde connaît. Par exemple, Dimitri, en téléphone. Pourquoi vous n'avez pas appelé les policiers en poste, car le président? Et Asayo continue à pointer sous nègre. Il a fait back toujours. Il n'a pas avancé. Il n'a pas avancé. Et puis dit, Asayo dit, PNH, déposez les armes. Nègre continue à faire back. Sur moi, mais il a fait back. Kounia, toute machine, Dimitri, USGPN et Parison, ils viennent parler sur route là. Et puis Kounia, Nègre a monté eux-mêmes. Surtout dans la rue, dans le PNH là. À noter, aucun engagement de combat. Vous devez noter ça. Et puis, n'est-ce pas penser. Kounia, machine IGPN, by tête en bas, comme si, by Pétionville, Kounia, n'est-ce pas même, paraît, dans le groupe de l'Ensecle, sur route principale là. Par raison, comme mesdames, par raison, pas descendre. N'a pas suivi, au lieu de par raison descendre pour faire tête Pétionville, par raison, monter. Au lieu de descendre à Pétionville, il met le gaz, il se couille, il monte en direction de la boule. Là, il va en haut, il vire cette machine, il descend tout doucement, machine, non, avec lumière éteinte, pour mettre une position stratégique, pour garder juste en bas, dans le pèlerin de cette clans, pour voir si les gars sortent. Pendant là, la machine est éteinte. Pas de lumière, monsieur, la machine, non. Et puis, la machine, assaillant, commencer à virer à descendre un peu le récit. Entre temps, il y a GPN et Dimitri, il est descendu en bas. C'est pas bien, il est descendu en bas. Et puis, monsieur tente jusqu'à ce que lumière allez, parce que l'on peut le récit, on va suivre. Courant fond courbe, il commence à descendre. Bon, on va prendre la machine, allez. Et c'est à ce moment. Tenez-vous bien. Faut suivre là bien. Et à ce moment-là, monsieur descend, il descend route là, sans lumière, il va allumer. Parce que pas bien que tu perds le secteur monté, on a la descente dans le secteur. L'aile rivée. Ok? L'entrée, lumière éteinte, il a regardé en bas. Il a vu toute machine qui a descendu disparaître. Et monsieur rentré dans le secteur. Arrivé sur place, il y a Neximoyo. Neximoyo dit, chef, c'est mon Dieu qui sauve même là, nous manquons mourir. C'est dans le rapport. C'est mon Dieu qui se trouve une lame qui mouille. Et par raison, elle est rentrée. Et monsieur est devant. Car elle a. Que le policier dans la cour était sans armes.
par raison d'entrée, et le policier qui était là n'était pas armé. Par raison d'entrée, et le policier qui était là n'a pas de armes non mais. Peut-être ils ont été désarmés. Tous ont été désarmés. Tous les policiers ont été désarmés. Tous les policiers ont été désarmés. Les policiers, pas oublier, l'USP est là pour protéger le président en cas d'attaque pour sauver le président. Et par raison, pour deux dingues USP, il est en train de faire là. Et là, il commence à entrer, il met tout dégâts gain. Et puis mon corps à terre. Et quoi? Pas fait mouvement. Et regardez, et puis ouais, c'est la première dame qui est couchée, allongée, sans faire de mouvement. Et Paris ont dit, première. Parce que c'est comme ça que Parizon appelle Martine Moïse. Première. Et puis Martine se recolle. Parce que chaque petit monde qui a mis un bof dans le point de Martine à terre. Et puis Martine dit Dédéo. Parce que c'est comme ça que tu es toujours élé Parizon. Et puis il fait ouf. Son ouf de soulagement, c'est comme si il dit nous sommes sauvés. Mais Babil Tatea a ben ensemble. Et par raison, n'ayant pas entendu le président, par raison, pensait que le président n'a machine à sa rue. Par raison, pensait que le président n'a machine à sa rue. Par raison, dit tête-lui, faut que moi sauver pour mesdames, non, parce que nous blessé. Et Martine fait un petit mounio, un geste en tête. Un geste, mais c'est comme s'il parlait avec elle, mais position par raison, selon dossier, par raison, pas attendre ça dire. Mais c'est comme s'il dit, prends sandal, moi, dans la chambre. Et, les filles parlent avec un petit mounio, et un petit mounio, levé pour entrer dans la chambre. Par raison, par contre, ça gagne. Zam nan men, monsieur bandition, monsieur suivre ti moun nan, parce que par contre ça kanda. Et Parizon a découvert le corps du président. Assassiné. Dans la chambre là avec plusieurs trous balles. Soit Lire les Léon, ou soit Léon Rélel. Et Parizon dit. Il a dit comment le président est, par exemple, il est mort. Et au même moment, par exemple, il y a une servante, et puis il dit il vient pour tâcher Rad qui est sur la dame. Parce que par exemple, pas qu'à manger pour mesdames, non. Servante a rangé Rad qui était sous lui. Timounio levé, et puis il bat la main, il a descendu avec elle, parce que par exemple, il voulait sauver pour mesdames, non. Pas raison! Avec deux Timounio. Donc, par exemple, avec toi. Et c'est pendant par exemple Abdesan. Pendant qu'elle a fait arrangement pour sortir avec la première dame. Et Gonne qui est le Ben. Qui s'est chauffé un chef de sécurité Martine qui est arrivé. Et l'idée prend Martine, mettre la machine là, par exemple. Et puis prend la machine là pour le conduire. A noter que Ben semblait un nec qui habitait tout près du Kaila. Et par exemple, ils ont tout le monde dans la machine et ils font cortège. Les parents ont fait cortège là. Quand il y a les autres palais de 5 ans, normalement, c'est pour le virer descendre à droite. Pour le virer de Port-au-Prince. Mais ayant vu les assaillants, les assassins, descendre là, par exemple, monter à gauche. Il montait à gauche en cortège. Et puis, il virait, il passait la boule, il passait par Montagne Noire. Mon qui connaît Pétionville bien. Sur la route, voilà, monsieur, sur la route là, il va dans la même machine pour mesdames.
Pendant sur route là, l'un chauffeur le renseigne pas et puis le chauffeur, il dit chauffeur, bon prend devant. Plutôt. Et monsieur prend devant, la route. Et puis le premier dame dans sur route là, dit première, si me témoin ou même. Je ne vais pas aller à l'hôpital non, parce que je ne sais pas ce qui va passer. Puisque le président a mouru. Sous un monde de confiance. Ou à mes dix même à la caille. À chercher soin. Parce que je ne connais pas si je suis dans l'hôpital là, si vous ne pouvez pas venir. Par raison sur route là. Je ne connais pas si vous pouvez aller à l'hôpital ou bien si vous êtes à Kaoum. Parce que nous ne pouvons pas jouer ça dans la bouche. Vous n'avez pas. Nous n'avons pas besoin de ça. Et pendant par exemple, descendre. Non. Quand le monde m'a dit là. Pendant la descendre. Hein? Montagne noire. Petit garçon, je viens de la rue. Il dit que j'en ai. Il dit nous là. Il dit, papa, il dit oui, maman, je vais dire ça. Et puis par exemple, dit, qui statue? Est-ce que ça a mis quoi? Est-ce que c'est François, est-ce que c'est Canadien? Bah, monsieur dit non, je suis un résident, il dit ok, pas de problème. Viens joindre moi pour me protéger. Et par raison, continuez à protéger petit Jovial là, qui était un côté. Puis quand oublié que Dimitri Erra était sur route principale là. Parce que, pas oublier ça, non? Sur route principale. Et n'oubliez surtout pas que les bandits ont dit get back. Déjà. Et Dimitri Erra a ordonné à la troupe, partie de là, de faire un repli tactique. Le mot qu'il a utilisé dans son dossier. Ah, il dit Nego, fais back, manger combien. Et Dimitri Erra, qui apparemment. Pour qu'on ait information sur le président. Il dit tout qu'elle pensait que le président était nommé même dans la machine. Là. Et Dimitri Erra, rapidement, pas oublier de descendre en bas. Il descend bien le rien. Il relaie par le national pour le dire. S'il vous plaît. Il y a l'assistant qui c'est monsieur Chéri Ronel. Il dit, barrez l'aéroport parce que vous avez parlé avec le président de l'aéroport. Et pendant le repli tactique là, Dimitri a pris les proches présidents. Dimitri pour jouer le proche président. Et Dimitri joue pour que nous. Je vais vous citer le monde. Je joue là. Vous n'avez pas excusé. Parce que si nous avons travaillé avec Jovenel, il n'y a pas de catégorie réaction pour Mbadil. Puisque Mounsa, son monde que je connais, le Dimitri finalement joint Esther Antoine dans le téléphone. Et Dimitri dit Esther, il s'est trompé à son dire. Et Esther dit lui, qui ça fait dire au président, son président de la République, oui. Et Dimitri comprend. Et Esther comprend. Et comme Dimitri a fait bac, le rivet, bon, qui n'a pas. Route la bloquée. Tu vois bien, route la bloquée. Avec des machines, la GPN, la bloquée. Pas oublier comme dit nous, route la bloquée. Entre temps, nouvel assassinat président, l'irrivé dans le commissariat, Pétionville. Troupe plate sous choc. Et que la police a crié. Entre temps, à Sahel, pas jamais arrivé à Bokinam. Il est en route. Entre temps, Dimitri quitte les troupes là, les contourner pour la regarder sa guerre président. Dimitri constatait que les gens valent. Que les gens ont fait, les assaillants ont fait une attaque avec. Deux grenades. Gros bagaille. Et c'est les policiers qui ont été débrouillés.
Les grenades à fragmentation. Ils ont mitraillé mon appartement qui trouvait derrière le président. Ils ont saccagé la maison, ils ont éclaté la serrure et ils sont partis avec un document. Non retrouvé jusqu'à présent. Dimitri a remarqué, disons, a relevé que les cartouches utilisées étaient de calibre 5,56. Ma spécialiste, papa. Calibre 5,56, ça, c'est pas Tiba et Petit même. 5,56. C'est-à-dire, c'était des gens bien équipés. Équipement sophistiqué. À noter, tenez pas ça. Pendant l'USGPN a fait repli tactique là, il y a lagué 3 policiers USGPN sur route là. Bon, mon petit loup, souffle pas coupé. Il y a lagué 3 USGPN sur route là. Les négros descendent, les négros ramassent 3 USGPN. La maison, Dieu, la maison. Yo, on va se toi, nègre GPN. Yo, on est en otage. À la suite, pour qu'on parle en pile qui fait, il y a un qui blessé, il y a deux qui libéré. Ma expliquez nous ça. Ma continue dans acte 2 ou dans acte 1. Et négociation, t'as pas commencé. Nous comprenons, dis nous. Négociation, t'as pas commencé. Qu'on n'y a pas oublié que civil te dit le mifé n'a pas le risque. Civil dit le t'es même négio. Pourtant, par raison t'en roi, par raison par remarquer machine civile. Parce que par raison t'es qui doit venir avant. Qu'on y a civil qui a pas main t'es vin après, par raison. Civil, ouais, un groupe nègre lourdement armé. Qui pointe les armes en direction de véhicule là. Si c'est le cas, donc, civil était sur place au même moment que par raison et que Dimitri. Si c'est cas ça, parce que pas bien dit nègre descend. Et son seul descend nous fait. Descendre dans Dimitri qui fait bac, c'est que par raison que tu es monté. Si monsieur était dans la place là, donc, il a pointé sur le tout. Donc, il est même côté en négo. C'est qu'il y a un négo pour expliquer sur ça. C'est pas moi. Et civil, ou un négo, et civil, crampé, pas fanné. Parce qu'il n'y a pas qu'à fanné pour montrer. Agent sécurité, qu'à civil là, il fait civil si dans la machine, non, il dit la descendre. Et civil dit non. Et les nègres fin. Passé. Affaire pas nous, c'est pas suivre. Selon civil, dans le dossier par là, l'irrelé Dimitri à 2h22. Si civil ou un nègre va descendre, donc Dimitri a fait partout. Si là, l'irrelé, monsieur à 2h22, et 31 secondes. Pour dire, quand on est là, et civil dit barrer toute route. Et civil pour que j'aime des informations sous président. Et pendant que civil a parlé, le nouveau cortège à grande vitesse a sorti. Nous parlons de 5 ans. Nous voyons qui est-ce qui a parlé. Donc civil ou machine qui est pour mesdames à paraison cap monté. Donc civil vini les événements passés. Donc civil pour qu'on au courant. Parce que civil a contrôlé notre bagage. Donc. Et civil entre dedans et civil ou des gars. Et civil est rentré, non pas qui non, et constaté des gars qui est sur la cour, trou, balle, etc. Concernant les agents qui étaient sur place, n'oublie pas que civil c'est coordonnateur. Nego dit civil, tendez. Yo te menote nous. Barrière, nego saute barrière. Vite machine yo éclaté. Et c'est pendant civil a expliqué ça, nego a expliqué c'est bizarre. Chauffeur président, Junior Desrosiers et agent
qui chargé pour assurer sécurité président. OK. Monsieur arrivé et monsieur dit civil président mouri. C'est dans la cour négro dit civil ça. Et civil pas rentrer dedans parce que civil pas vrai sous les scènes. Il était dehors. Et civil vraiment abattu l'annoncé. Il est le secrétaire général Paléa, Lionel Valbon, et dit Lionel Valbon, président mouri. Et civil garde la gueule, il dit négro. Comment nous faire vivant nous-mêmes pour président Jovenel Moïse? Civil a parlé à Raja. Négo dit, nous ne pouvons pas être réagi, chef. Vous voyez grenade. Et civil dit, oh, pas qu'il y a nous blessé. Et civil mandé DCPJ pour faire enquête. Ce n'est pas terrible, vous passez là. Pourquoi il n'y a pas eu de combat à partir de Pèlerin Sec? Pourquoi trois policiers ont-ils été livrés, placés sur la route? Ils ont dit que c'est pour tirer le téléphone pour avoir information. Donc, pour certains monde, ça va qu'aimer. Pour qu'il n'y ait pas de communication entre policiers qui ont assuré la sécurité, qu'un président avec base là. Contrat de communication. Monsieur, pour qui ça pas un coup de zame qui tire? Pas un policier qui tire. USGPN gagne 497 policiers. Gagne 88 qui n'a fafa. Gagne un parti qui n'a sécurité caille privé. Gagne un autre parti qui n'a sécurité caille Michel Martelly. Deux présidents. Il y a 100 agents qui ont détachement. Il y aurait Léo Giger. Vous avez Giger, monsieur. Alphonse Titan, Bautico. Business. Chaque soir, supposé qu'il y ait entre 15 et 20 USP. Joue ça, il y a 11 qui sont présents. Il y a 8 agents. 4 kg de dollars, il y a 6. Il y a 10 USP de dollars, il y a 7. Il y a 24 personnes seulement qui sont le président. Et l'attaque a fait à environ 26-28 personnes. Maintenant, qui te m'explique? T'as pas sérieux? Oh, ouais. Négocier un énergie armée, pas oublier, Négo gagne un commando. Monsieur n'a fait commentaire. Depuis de faire ça, Wanda Dimza, depuis de faire commentaire, m'a perdu fil. Pas oublier, Négo en méo, il a passé 2 heures sans que vous pas attaqué. Super bien. Là, une information mourir. Eh bien, je viens de mourir. Non? Information pour Valou mourir, Marco Campano Alter mourir. Ok? Il a passé 2 heures. Sans que vous n'avez pas attaqué Négo. Dans tête commando, un colonel. Il y a certains qui décident de bataille, il y a l'autre qui dit pas de bataille. Et il y a l'autre groupe qui est l'ambassade de Taïwan. Oui, il ne sait pas. Négo dit, il y a des informants de l'IA, il y a des pour FBI. Vincent pour l'IA et Solage pour FBI. Et CNN, il y a un. Elle pose des questions à responsable FBI. Il n'y a pas de l'information. Il pose des questions et des dit que vous-même, vous avez des rapports avec une négo qui ont travaillé. Monsieur, attendez bien ça, mon Dieu. Selon information que médias étrangers baillent, vous avez des négo. Relais le département d'État. Une nègre prend le département d'État. Et ici, pendant nègre souterrain à Pétionville, il y a eu le dit que nègre pas tuer nègre parce que nègre veut négocier.
Je dis, si monsieur fait soupe là, soupe dans les gars là, il y a un rapport avec côté aux États-Unis. On peut dire qu'on travaille peut-être pour les Américains, qui dit que mais pas tirer, pas tuer, parce qu'on veut négocier. Je dis, il apprend une tête. Négocier, apprend une tête. Il y a un négocier qui a arrêté. Libère nous tous les leaders politiques. Que vous avez rencontré ici avant l'attaque. Il semble que Covington a un contrat lui-même avec plusieurs grosses structures de sécurité qui lient tout à Negro. Colombien, ça, c'est des nègres qui prennent des formations dans un gros pays pour batailler contre les gens qui ont des drogues, etc. Ce n'est pas des nègres petits qui sont venus là. Et ils reconnaissent que les négociés sont solides et terribles. Oui. Et ils ont l'air de information tout dans le cadre de coopération que tu as entre les États-Unis et Colombie. C'est ce que vous dites dans le journal. Vous entendez ça, monsieur. Le président colombien dit il y a 8 nègres qui te connaissent dans le nègre que vous avez assassiné le président. Ok. Propriétaire CTUA, Antonio Endriago, monsieur basé aux États-Unis. Jusqu'à présent, nous n'avons pas arrêté, mais nous avons compris ce qui a passé. Une institution qui bat un cob, 865 000 dollars US. World Capital. L'agence a été par CTU, comme une forme de financement, ticket avion, per diem, ok. Il était par Negro pour entrer, mais ça sentit comme petit. Antonio Endriago, qui est lié avec le président actuel en Colombie. Hein? Il va nous dire. Jet privé que nous avons utilisé pour venir en Haïti. C'est jet privé où nous avons Gonzalo Castillo. C'est un ancien candidat à la présidence de la République Dominicaine. Monsieur sont racistes que monsieur. Et qu'on partit dans le mercenaire passé sous frontière. Il est passé sous route, entré sous frontière. Président Claude Joseph fait appel à FBI pour venir résoudre le problème. Mais la question, c'est qui a financé cette opération? Est-ce que ce n'est pas parce que mon trop d'informations qui fait bah, ça passer, je ne pas connaître. Parce que ce n'est pas que monde qui compte ça, m'a dit là. Donc, ça qui passe aux États-Unis, mon hein? Binzouli, il n'y a pas de dernière fois, il n'y a pas l'autre, bon, il prend. Ça veut dire que nous avons fait des arrivées, n'importe qui le. Laisse ça, on dit ça. Moi, j'ai un peu pour ça. Et c'est journaliste, il faut me faire information. Même celui-là qui a une information, je vais me faire. Je me dis qu'il n'y a pas ça. Je vais vous dire. Tout le monde ici peut. Il y a toujours un journaliste. Et ça fait même pas besoin de parler. Tout le monde sur le réseau a une information. Pour qui ça ne pas dit Miami Ral, Terele, un homme politique ici, lui poser la question pour demander est-ce que le gars a un rapport avec ça, non? Tout le monde peut pour dire ça. Il y a peut-être pour moi-même qui me dit. Mounsa t'a rencontré avec ça, non? Et puis il répond Miami Ral, oui, nous avons rencontré avec lui. Bah, M. Tap dit comme moi, son mounfou, je vais t'occuper. Mon leader politique, oui. Ok. Donc, c'est l'acte 1. Question, c'est qui a financé? Léon Charles, selon source que me fait confiance, document à l'appui. Bon, si vous êtes bleu, vous êtes bleu. Si vous êtes bleu, vous êtes bleu parce que elle est émission, vous êtes bleu. Le jour soir, à 11h30, Léon Charles n'a pas la présidente. Léon Charles, rue le civil à 1h30. 1h20 ou 1h30. Ou un peu comme il dans sa veine parce que ça plus important. Rue le civil, il dit président Maison Bako. Il n'y a pas de bonne information, ça. C'est moi qui viens. Et civil tremblant. Oui, tremblant, hein. Maison Bako, 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 Bako.
besoin de suivre bien ça m'a dit nous. Après elle finit par l'acte civil selon le dossier que m'a Léon Charles lui est ou n'est qui est le DDO. Besoin de nous tendre ça m'a dit. Léon Charles lui est le DDO. Et il dit DDO. Lui est le Dimitri. Voilà ce que vous comment vous directeur général a relé DDO et DDO relé Dimitri Era. Et puis Léon Charles le soir, qui vient à blender. Mes nouvelles. Les paraisons voulaient tout bon engagement en bataille. C'est vrai. On est qui dit, ils ont dit, il va rentrer. Je ne sais pas si l'accuser moi-même. Et c'est Léon Charles qui baille par raison, l'autre qui dit par raison, prends soin pour mesdames. Là. Et c'est depuis les conversations ça, n'est-ce pas le route en bas. Parce que là, il a j'ai pas arrivé, route là, t'es guettant, barré. Et les n'est-ce pas descendre, route barré, ils ont une porte-voix, ils ont dit, dire. Et Léon Charles répond. Pas de comme ça, nous comprenons. Mais sa pièce là, pas qu'il a fait dire pièce là. Mais Cook pour tuer Koukoua. Gonne qui vient contre Léon Charles. Liti Léon. Assaillant ouvre les négociés. Où n'est-ce que nous trouvons ici en nous. Qui vient? Qui dit à ça, on va négocier. Léon refusait pour le téléphone. Et depuis ça, Léon commençait à comprendre et à regarder ce côté. Et Léon commençait à déplacer. Beaucoup de nègres, ça, yo! Parce que ils ont automatiquement par être suspect. Et Léon perdit confiance, même là. Léon barré route là. DCPJ arrivé. Léon fait mettre bende, soit barré. Ça qui dérange un peu, c'est route là que Léon fait barrer. Parce que négocier pour vivre quoi? Pour nous aller tranquillement. Flash! Dernière fois. De Gaulle! Qu'est-ce qui se passe actuellement? Là, quand je m'en parle, monsieur, vous avez remarqué que je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de téléphone. Actuellement, la police judiciaire a suffisamment d'éléments pour dire que Madame Koch était la personne à placer, à installer au palais national comme président provisoire. Selon les informations qui venaient de sources 10 fois, Madame Koch. L'idée première, c'était de procéder à l'arrestation du président, mener le palais. Il dit qu'il va juger et installer Mme Koch. C'est ça qu'il va comme information. Attention, il va dire qu'il va comme information. Pour nous, il va Flash. Dernière fois. Il va prendre Colombie. Il y a nos résidences avec eux. Et puis, Colombie regarde, il dit oui, nous te venons là dans la réunion. Kai qui est? C'est Kai Mme Koch. Il n'y a pas qui se fait Kaila. Madame Koch, pas là, Kaila vide. Côté ma parole avec nous. Sans objet, rien du tout. Selon les informations que la police disposait, FBI, DCPJ, tout pour nous. Guerrero, nous avons fait avec Sano, Badjo, John Joseph Joel et Dordoff. Et c'est Badjo qui montait l'opération. Mais vous décidez à la dernière minute pour tuer le président. Le président Jovenel Moïse, victime d'un complot. Pendant l'opération,
Yo dit c'est qu'on a mis seulement et vous n'avez pas pensé à dire aussi. C'est pas gain de haïtien négo ouais pas ça. Lors de cette opération, il y a eu des policiers actifs en première ligne qui n'ont pas d'attaque à président. Il y a eu deux naïo, mais deux l'autre qui sauvaient. Le travail aujourd'hui, c'est de trouver la chaîne de financement. FBI est là, je crois que FBI a besoin de ça. Il faut retrouver également la chaîne politique. Le monde entier est en train de nous regarder que mon président a quand même que vous tuez. Plan, tu es en trois parties. Nous rentrons d'abord pour sécuriser. Ensuite, tu vas monter l'opération pour arrêter le président maintenant dans le palais. Le président finit de remettre pouvoir. Tu as fusillé, je vous le dis quand même. C'est ça que tu as gagné comme plan. Maintenant, collection financière là, c'est lui pour nous trouver. Vous avez remarqué que moi, Gary Pierre-Rochal, je n'ai pas parlé d'oligarques corrompus, avant les oligarques corrompus, la politicienne, etc. Mais acte 1 de l'assassinat de Jovenel. Comme si on est monde de comprendre, ou pas dit c'est un tel, à qui preuve? Moi, je crois. Il y a des hommes politiques qui sont sur le terrain et qui avaient rencontré ça, non? Faut que la justice parle avec eux. Et deuxièmement, il faut donner des preuves claires, flagrantes, sur l'implication de Mme Coq. Il ne faut pas dire seulement avec un dossier que Mme Coq a rencontré. Des preuves claires. J'exige une conférence de presse du haut état-major de la police nationale parce que l'affaire de Mme Coq ne peut pas être une affaire qui était en termes de rumeurs. Jovenel Moïse a des ennemis croisés. Jovenel Moïse a été victime, assassiné par des ennemis. Des ennemis de Jovenel Moïse. Mais si je faisais de la politique, ou bien si j'étais membre d'un parti, Nabdi a été assassiné par les ennemis de la nation. Mais il y a eu des Haïtiens qui ont participé à cet assassinat. Et il y a également la main étrangère. Nous pas jamais songer. Walter a plus ou moins songé. Val, nous t'ai dit quand même, il y a une possibilité dans ce pays pour que quelqu'un qui n'a pas perdu du pouvoir, c'est si Jovenel tombe avant, mais le monde avant. Nous sommes Walter. Il a dit ça. Mais vous avez entendu des noms cités. Nous citons pas quatre noms. Donc, nous pas retirer personne dans le complot assassinat. Moi, pas pour retirer, pas même si pas pour retirer personne, non. Moi qui t'ai impliqué de point de près comme de loin dans l'assassinat. Mais ça crive, c'est quand même bizarre. Pas beaucoup de zame. Mais on a dit qu'on avait présenté un mandat à Vival. Mais c'est le même mandat de Petit Bois. Comme le débat, peut-être trop petit pour premier coup d'état raté. Ceux qui disaient que c'était un coup monté. Du régime en place. Parce qu'on voulait, on voulait attaquer l'opposition, bagarre, etc. Ils ont dit ça. Après l'assassinat de Jovenel, par exemple, Mugabe disait qu'on montait. Donc Jovenel a été assassiné. Et je regarde avec tristesse les gens qui ont dit Martine complice parce qu'il était de mourir. Monsieur. Martine Dedo. Si Martine est impliqué, eh bien après ça. Ok. Pour l'heure, je crois que. L'acte 1, le point fin, même mon doute sérieux. Jusqu'à ce que il y ait un résultat. Mais dis-moi. Résultat. 1. Si on voit c'est monsieur Intel. 2. Monsieur Intel. 3. Monsieur Intel. Si M. Intel ça, pral fait des choucages, couper tête boule caille, l'affaire de Jovenel Moïse sera une affaire classée. Jovenel pas besoin de justice depuis mon ou gain en tête.
c'est vous-même qui financez, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que le pays a crasé, il a boulé le pays, il n'y a pas assez de capacité. Vous ne venez pas de la justice. Mais arrêtez ça, non. Il a pris deux trois autres. Mais les qui financent, vous ne pouvez pas arrêter. Si vous arrêtez, le pays a crasé. Et blanc pas quitter le pays a crasé. Jusqu'à ce que vous montrez une preuve contre là, moi, je vous dis clairement que l'affaire de Jovenel sera une affaire classée comme pour la mort de Kennedy. À bientôt.